Allez, jour 4. C'est ça? Jour 4. Nouveau style. Pour mettre mon casque, parce que ça pue la mort là-dedans. On est au souk. Bon, c'est pas ouf hein. Niveau hygiène là, là-bas il y a de la viande comme ça dans les packs. Du poisson comme ça. Je pense qu'ils aiment bien. Ah, c'est l'expression tête de bite. Il y a tout son sens. Regardez-moi ces belles fleurs pour les offrandes. Et tout ça finit à côté. Dégueulasse. Je suis vraiment le roi des cons. On était dans le marché, on était tout en bas. Et en fait, à un moment, j'ai marché sur une plaque. Je pensais que c'était une plaque dure. Et en fait, non, c'était une plaque de polystyrène. Du coup, j'ai pété la plaque de polystyrène. Sauf que c'était un présentoir en fait pour une meuf qui vendait du poisson et tout ça au marché. Oh, la tête qu'elle m'a fait. Et moi, comment j'étais trop mal à l'aise. Ah, je me suis excusé 15 000 fois. Vas-y, c'est quoi? Je vais lui payer sa plaque de polystyrène. Petit aller prendre un café. On doit se dépêcher parce que c'est dans 10 minutes notre cours de bijoux. On est dans un petit cours avec la madame, trop mignonne. Du coup, on va faire des bijoux. Elle est en train de dessiner notre bague. Oh, le snake, regarde. Yeah, good. Allez, montre-nous ce que tu fais. Franchement, je crois que je vais me reconvertir dans une bijouterie hein, quand je retourne en France. On polie. Voilà mes créations. Là, c'est pour nettoyer les bagues en fait. Donc, elle a mis du citron. Là, du coup, on les a passées dans de l'eau et du citron. Et du sel. On a fait chauffer. Ensuite, on les a polies, c'est ça? Ouais, on a brossé. On a brossé les trucs. Et maintenant, elles sont en train de dry. De sécher au soleil. Voilà, elles avec prennent un peu de soleil. Statue. Elles prennent le soleil ici. Waouh. Voilà. Ouais. On va polir. Donc on a eu ça à manger, c'est tellement bon, c'est des nouilles. On a fini nos bijoux, donc on a eu une petite boîte, comme ça, pour nous scier. C'est trop bien, qui s'ouvre comme ça. Et on a fini nos bijoux. Ça c'est les bijoux de Léa, qu'elle a fait, avec ça, avec le collier. Voilà. Il écrit Léa. Et ça c'est ma bague, avec une petite pierre verte, trop belle. Magnifique. Hello. Nous sommes allés faire nos bijoux, donc on a terminé nos bijoux, on les remontre. Canon, avec le petit collier. Canon. Il est marqué Léa en fait. Est marqué Léa en baliné. Et la fille avec qui on était, la prof, elle était super sympa. On a eu à manger, c'était tellement bon, mais tellement. Et non, enfin, franchement c'était des amours là-bas. Donc du coup après on est parti. On a fait quoi les 3 quarts d'heure de route? Ouais. 3 quarts d'heure de route, tout en scooter, hein, faut pas oublier ça. Pour aller à un parc abandonné. Voilà. Donc nous sommes arrivés au parc.
Dans un avion. Vu qu'on n'a pas pu rentrer dans l'avion hier ou avant-hier, je sais plus c'était quand. Du coup, je nous ai réservé une petite place dans l'avion. Voilà. On va manger dans l'avion du coup. C'est stylé. Thomas, qu'est-ce que tu fais sur l'aile? Je refais le clip d'Ozone. Bon, en fait, on est rentré dans un hôtel. On vient de capter qu'on était dans un hôtel, en fait. C'est pour ça que c'est aussi beau. Et voilà, on visite du coup l'hôtel. Oh là là. Bon, du coup, on va essayer de s'incruster au beach club de l'hôtel. Franchement, il est pas mal cet hôtel. Hein. Il a l'air plutôt bien. Ah ouais. Ah ouais, les gosses sont magnifiques. Hein. Bon, voilà. Nous revoilà dans notre avion. Cette fois-ci, on va manger. Voilà où on mange ce soir. Bon, on a commandé l'entrée avant, mais on a quand même eu le plat. Bon bah c'était plutôt bon. C'était bon. Allez, maintenant une demi-heure de scooter. On va inventer l'hashtag balicouille parce que... Ah parce que balicouille jusqu'au bout. Alors, franchement. On nous laisse les petits prix sur le carrelage là. On nous laisse les étiquettes. Là je sais pas c'est quoi. Et ça c'est le meilleur pour la fin. C'est trop. Tiens, j'ai envie de fermer la porte. Il manque le truc.